Bonjour, je m'appelle Hervé Piveteau, je suis en charge du développement des voiliers chez Jeannot. Et depuis quelques mois, j'ai la chance de travailler sur un projet très excitant, qui est un nouveau Sunfast. Et sur ce bateau, nous n'avons pas fait appel à un architecte, mais à une paire d'architectes, que je vous propose de découvrir maintenant avec nous. Je m'appelle Daniel Andrieux, je suis architecte naval. Ça fait très longtemps que je collabore avec le chantier Jeannot pour le développement de ses produits de croisière et puis plus récemment, depuis une dizaine d'années, pour la gamme performance Sunfast. Quand Jeannot m'a proposé de travailler sur un nouveau Sunfast, ils m'ont demandé s'il y avait quelqu'un avec qui j'aimerais travailler. Et je leur ai suggéré un nom en disant « Actuellement, c'est le meilleur, c'est Guillaume Verdier ». Bonjour, je m'appelle Guillaume Verdier et puis je suis architecte naval. J'habite l'Armor Baden, c'est là que je travaille. Et c'est le gars qui a gagné la Coupe de l'Amérique, c'est le gars qui a gagné en collaboration le Vendée Globe, qui a gagné des plus grandes courses qui existent au monde et qui est aujourd'hui au top de l'architecture navale mondiale. Donc c'est un honneur pour moi et pour le chantier qu'on puisse collaborer ensemble. Ces projets, ils ne se font vraiment pas seuls. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes du bureau de Jeannot, Basile Maillet et puis Hervé Piveteau, qui s'est vraiment énormément impliqué dans le projet et qui nous a guidés. Bien sûr, Daniel Andrieux, avec qui on a complètement collaboré. Et puis mon bureau, pour ce projet, c'était Véronique Soulet, qui est plus spécialisée en calcul de fluide. Et puis elle a un regard assez neuf aussi sur ce genre de bateau. Et puis Romaric Neusser, qui est un architecte naval totalement confirmé et avec qui je collabore beaucoup. C'est vraiment un projet très excitant qu'on a hâte de voir sur l'eau. Et en attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier la soirée du 8 décembre, où nous ferons le lancement officiel du bateau.